Ndeko Nabandai Kolobayete, je m'insurge contre les déclarations, les dernières déclarations de Christopher Ngoï Mutamba, Oyauti Kosala na Télé Tchangou, Télévision Nabiso, Oyo Tolandaka, Awa. Ouais. Ndeko Nazali Koloba, situation Oyo Zakoleka, na Katia RDC. Christopher Ngoï, yé Azali ko défendre Félix Tshilombo, mais il oublie que son rôle est là pour vérifier et contrôler l'État, en quelque sorte. Parce que lui, il est le coordonnateur général de la société civile, comme on l'appelle là-bas, en Mboka Nabiso. Le problème est que Christopher Ngoï, il s'est fait avocat de Félix Tshilombo. Il est en train de défendre Félix Tshilombo dans tous les plateaux de télé où il passe, mais il oublie de défendre le peuple. Or, Félix Tshilombo est le résultat du deal. Félix Tshilombo, c'est le résultat de l'escroquerie nationale que subissent actuellement la RDC. Félix Tshilombo, c'est le résultat d'une magouille qui a commencé au Kenya et qui s'est terminée à Kingakati. Pendant que le peuple était en train de voter, le peuple attendait les résultats du vote, mais Félix Tshilombo, il était en train de dealer avec Kabila pour se faire de l'argent. Parce que la RDC est notre bien commun à tous. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre dans Mbokawana. Il faut tout le bas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, il faut applaudir. Et mais quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Mais en Mbokawana, les gens outrepassent les limites. Vraiment, c'est triste de voir Ndeko Lokola Christopher Ngoï. Christopher Ngoï Mutamba, lui qui est le coordonnateur de la société civile dans la RDC, Ndeko Christopher Ngoï Mutamba a dénoncé qu'il était l'air Babouma qui va adepte à Bundudia Congo, il y a Bundudia Mayala, récemment en Akati, il y a Bazaïr, ou Bengi Congo Central. Moi j'ai toujours ces noms parce que Bissot Tika va Combo. Mais c'est triste de voir aujourd'hui, Christopher Ngoï est en train de fustiger Némonansemi. Ah non, Némonansemi, c'est un fauteur de troubles. Némonansemi n'a pas respecté les consignes qui ont été données par le président de la République de se confiner, de porter des masques pour se protéger. Mais je vais poser une question à Christopher Ngoï. L'herbe qui va adepte à Némonansemi. Bamemi bangona commissariat et pas ya commissariat général qu'on n'est pas ya général Kasongo na bureau nae. Bavandi si bango nyoso na mabele. Qui est cette autorité qui s'est insurgée par manque de port des masques na batouana? Parce que batouana tout ba confiné bango ba sangi si bango sika moko bango tout. Vraiment s'il y avait la maladie, la contamination pouvait être vraiment générale. Mais batouana ba sangisaki bango ba fini bango wana ba vanda ki wana sans masque ba msou ko ils avaient des mains attachées ba fini bango ba tie bango sans masque ba vandisi bango wana. Et ce qui m'a attristé encore, tout monde ki batouana ba vandisi bango sans masque ba zali wana et devant un député, un soi-disant député avant na ki wana bo benga ka yende ko Eliezer type wana zala ki wana, il n'a même pas posé la question au général, pourquoi au Sangisi Bato Yoboye, pendant que distanciation sociale est allée imposée dans l'État, que Batounio se base à la séparer au moins à 1 mètre de distance. Lui, il n'a même pas osé poser la question aux généraux, même aux policiers qui étaient là. Lui, ce qui l'intéressait seulement, c'est d'aller chercher la femme de Némonansemi pour l'interroger. Au Pesakamobel, Nayo Conseil était, mais tiens, Ndekonangaye, toi tu es un député national, tu es un élu. Tu peux même pas bafouer ou bien violer la loi quand même. Vraiment, c'est triste. Lui, il n'a même pas osé dire pourquoi vous confinez, vous rassemblez tout ce monde entassé comme ça. Il faut les mettre avec une distanciation sociale comme la loi l'impose actuellement parce qu'on est dans une période de confinement général. Les adeptes de Némonansemi. Personne n'a eu l'audace de dire non, il faut distancer ces gens-là, il faut que séparer Bango, mettre Bango à distance d'un mètre au moins.
des journalistes qui étaient avec les députés, soi-disant un député national. Cet homme qui est venu ici en train de nous demander de l'argent pour cotiser pour Nangaï, pour Sungangaï, dans la chaîne à télé. Beaucoup de gens ont contribué pour lui, pour l'aider à faire au moins quelque chose, parce qu'à l'époque, il avait une parole qui portait, il avait au moins, il donnait au moins l'impression d'être un bon journaliste qui était au contact avec le peuple, qui était proche du peuple. On lui a fait confiance, beaucoup de gens l'ont donné les quitus, beaucoup de gens l'ont envoyé de l'argent, beaucoup de gens ont contribué pour qu'il crée sa chaîne de télé comme il voulait. Mais le monsieur, il a été postulé là-bas, il est devenu député, et après il a tourné le dos au peuple. Parce qu'il a vu qu'il y a eu son frère de tribu qui a dealé, qui est devenu président. Eh bien, il n'avait plus rien à foutre avec le peuple, surtout que lui aussi, il a été nommé député national. Parce que dans tout ce qui s'est passé, on sait bien que beaucoup de députés ont été nommés. Il y a eu des députés nommés là-bas, nous savons la majorité d'entre eux sont nommés. D'ailleurs, c'est ça que nous déplorons. Nous déplorons parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui passaient à la télé, dans des chaînes de télé, qui parlaient haute, qui disaient, qui dénonçaient la violence, les détournements, les magouilles, la gabegie financière. Mais les Bangoba commis la mangeoire, ils ont fermé leur bouche parce qu'ils ont compris le système. Ici, si tu parles trop, tu es viré. Ou bien on va te créer une motion ici, à les suspensions ou quoi, on ne sait pas. C'est triste parce que le peuple est abandonné à son triste sort. Ce qui m'a fait très mal, Ndeko Christopher Ngoï, malgré Bazako Bomabatu, dans la région, le Kolana Kivu, armée rwandaise, les écoles de ça, le massacre, lui qui est le représentant, le coordonnateur général de la société civile, il n'a jamais dénoncé cela. Christopher Ngoï, quand il passe aux médias, il devrait dénoncer cela parce que c'est son frère de tribu qui est au pouvoir. Il pouvait au moins dénoncer cela, tout ce qui se passe. Il pouvait dire, non, il y a ça ne va pas. Toi, tu es le président, au moins tu dois faire une déclaration pour rassurer les Kivusiens qui souffrent, qui meurent, qui sont détruits là-bas, qui sont violés, qui sont dans la forêt, qui dorment à la belle étoile. Nous avons vu à Uvira, il y a une inondation monstre. Batouba Koufi et Belé. Batouba Koufi Nandenga Osakanate, le Kola Banyama. Inondation monstre, Batouba Koufi. Mais président, le soi-disant président, il est là, bouche bée, il y a l'eau bien au côté. Tu abandonnes le peuple à son triste sort. Mais ici, là où nous vivons, s'il y a une catastrophe majeure, le président se déplace pour aller rassurer son peuple. Pour aller rassurer son peuple, pour leur dire que non, je suis là, à côté de vous. Je partage votre peine, je partage votre souffrance. Mais tu l'ambassade à côté. Mais ça, toujours de crier pas parce qu'il n'a pas été élu. Mais au moins, il pouvait faire un sursaut d'orgueil. Il a dit, même si je n'ai pas été élu, j'ai bénéficié d'une fraude, je suis le résultat d'une deal, mais au moins, mon peuple souffre, je dois aller à leur secours. Il a promis aux Kivusiens, quand il était à Goma, Beni Boutembo par là, il a dit quoi? Ce qui m'a promis, Bissot, Nagoya, qu'on installait quartier général Awa. Et je viendrai m'installer ici jusqu'à ce que la paix revienne. Mais les Kivusiens attendent. Une année déjà qu'ils attendent. Une année que les Kivusiens attendent l'installation de la présidence de la République dans les Kivus. Une année. Ils attendent. Trop de promesses. Maramingi. Ce qui m'a fait très mal, c'est que Christopher Ngoyaï a fustigé Kamere. Kamere, tout le monde le sait, c'est un volmuntu. Kamere Ibi a détourné Mbongo. Il est devenu distributeur automatique des millions. Vital Kamere, Ndeko Nabiso. Naibite soit Zarandeko Nabiso ou bien Zarandeko Barwandais, parce qu'apparemment, lui, ce n'est pas l'un de nous. Hein. C'est un Burundo-Rwandais. Mais il s'était bien intégré dans la société Nabiso. Jusqu'à Koyeba, tous nos quatre langues, il les parle aussi à merveille. Yangwana, Tobandaï, il faut confondre. Mais Ndeko Christopher Ngoï, pour l'interpellation à Vital Kamere, il était content. Ah ben non, Vital Kamere n'est pas juillet, voilà, c'est bien, la justice va s'en occuper. Il ne faut pas juger parce qu'il a mal géré les travaux de 100 jours. Mais Bissot Oboïté, il ne faut pas juger, c'est normal. S'il a volé, il faut qu'il soit jugé. Mais Ndeko Christopher Ngoï, il y a un bon sang au tchat.
Moussapinelo Romoko. Ndeko Kamere, ce qui a Zala qui n'a pas posé en a, parce que c'est Félix qui a voulu. Lui aussi, c'est un résultat du deal, Kamere. Kamere, c'est le résultat du deal. Et Kamere ne pouvait pas sortir des millions sans que Félix Tshisekedi les sache. Ndeko Tshilombo, c'est lui qui a placé Vital Kamere. Tout ça se passe sous ses yeux. Le dossier tout, il y a un signé. Ordre de sortie à Bambo, c'est lui et son directeur de cabinet. Yem Tazo Pesaval, directeur de cabinet, a signé la Kombounaye. Et alors, comment aujourd'hui on peut nous faire croire que Félix est le moyen innocent dans tout ça? Dans tous ces détournements, Félix n'est pas innocent. Ce qui m'attriste, parce que dans ma Kamwendengwana, au lieu de ça, la bloc, pour Natoye Bakoye Sabande Konabiso, que vous êtes dans le faux, il faut revenir vers nous, le peuple, pour Nato Sungabino. Bengana occupation, bango balingité. Ba comme nous avons associé à vos occupants. C'est triste. C'est triste. Nego Christophe Ngoy, Osololi Bienté. Koloba était né moi dans semi. A respecté que l'état d'urgence c'était. En sa routine, il y a un défilé. Pona, un microbe Ezali Nandela, malade Ezali. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bazo tuna eli kambu concernant ba vol o ele kaki nanda kwa mne mwana semo ndeko Christopher Ngoyi entendez écoutez la sa réponse ba ndeko ngai ndeko Christopher Ngoyi albi non ezali ba pe ba kuluna ba na quartier bazagi na ba kanda c'est pour ça ba koti kuna ba kei ba yibi oh journaliste tuna albi non nous on a vu des soldats des images existent albi non bon peut-être ezali pe les résultats ya colère ba soldat wana ba kenda ki peut-être ba bumi ba ndeko na bango ba ninga na bango mais non ce n'est pas ça. Bah, soldats wana, ce sont des voleurs. Tout l'andimbien, bah, nzemu na bango ba yemba ki, avant que, bah, kota ba ki neko sala attaque nanda ku yane mwana semi. Ces soldats disaient bien, ils chantaient bien. Félix et Pesabiso ordre, tout que neko beta masasi. Bonjour les grands activistes Pitu Roland. Mubundel mounen yamboka. Nazali ko s'insurge contre neko Christopher Ngoyi parce qu'il a fait des déclarations qui m'ont attristé. Pourquoi qu'on dit qu'on fustige Vital Kamere, qu'on dit qu'on fustige Nemwanansemi, mais Azali qu'on défendre Tshilombo. Lui, il n'est pas défenseur de Tshilombo. C'est pas un conseiller, c'est pas un directeur. S'il veut être conseiller à Félix, à le bango au grand public, Toyoka, qu'il est devenu conseiller à Félix. Mais ceux qui alingi, Azala coordonnateur général Ndengeba Nouma Ekuna ya société civile. Mais il faut qu'il fasse son travail, qu'il dénonce. Ce qui ne va pas, il ne dénonce rien. Au Kivu, il y a des meurtres là-bas. Il y a des assassinats. Il y a l'armée rwandaise qui envahit la RDC. Et Christopher Ngoyi, on ne l'entend jamais parler. On n'entend jamais. Au contraire, c'est lui qui devrait hausser les tons. Pourquoi Tshebeya est mort? Tshebeya est mort parce qu'il a été allé défendre les gens du Bazaï qui ont été assassinés. Il a été allé défendre les gens du Bas-Congo, de Bundu-Diamaya, de Bundu-Diakongo. Tshebeya est mort pour la patrie, pour la défense de ses frères. Mendeko Christopher Ngoyi, il défend quelqu'un parce qu'il est de son tribu. Il le sait bien dans subconscience que Félix est le résultat d'une vol, résultat d'une escroquerie, résultat de la tricherie. Mais Bango Bazali Kondima Yangote, c'est triste. Biso to salini na mboko poto mérité bato aboy. Yango to roki ko fanda ra bien té na mboko na biso moko. La RDC est un patrimoine commun à tous. Nous tous, chacun de nous possède une portion de partie de ces pays-là. Mutu moko ta roki ko ya leke la biso. Oh, nga na zananga yi mwana mobola, moi je n'ai jamais été, je suis pas né dans une famille riche, hein, mais l'air na ko comprendre que mboka o ezali yangai na bato wana, na roki ko tika té ke bango ba ya ba konza biso, biso totala ra bango comme si nous sommes des idiots, nous sommes des abrutis. Ce système d'abrutissement collectif d'un peuple, nous n'en voulons plus. Ça a assez perduré comme ça. To souffrir mingi ya Edi Bolombo. Greffier international. Merci vieux. Nazali na kanda contre Ndeko Christopher Ngoyi, vie dit. Parce que Christopher Ngoyi, il a fait des déclarations qui m'ont choqué. Comment tu peux fustiger Vital Kamere? Comment tu peux fustiger Nemwana Nsemi? Mais quand on lui pose des questions sur Félix Tshilombo, non. Félix Tshilombo, et donc il est innocent dans tout ça, quoi. Félix Tshilombo n'est pas un saint. Félix Tshilombo,
et le résultat du vol. Félix Tshilombo et Vital Kamerhe sont inséparables. On sait bien pourquoi il n'a pas démis de ses fonctions. Et il les garde toujours. Bah, poser les questions, mais pourquoi il n'a pas démis de ses fonctions? Oh non, mais par honneur, Vital Kamerhe doit déposer sa démission par honneur. Mais par honneur. Mais lui, Félix Tshisekedi, il attend l'autorisation de qui pour le démettre de ses fonctions? Mais c'est vraiment incroyable. Félix Tshilombo, il sait bien que Vital Kamerhe, dans cette affaire, il ne pourra jamais sortir blanc. Il est déjà noirci dans l'affaire Wana. Greffi international, Pichu relâche Mongo. Naibi Kumba Nabino, Bozali ba Bunde Minen Yamboka. Mais Nangina Senga Nabino Bande Konangai, Bino Bozali ba redoutable combattant. Ya première heure, Batouana ba Félix Tshilombo. Nava Vital Kamerhe. Mandana bango ya souka oye, bazo sala oye, ya libosope ya souka. Vraiment un jour, parce que nous, vous et moi, nous le savons bien, si Tshilombo est là, si vraiment il peut rester longtemps au pouvoir, maximum de sa vie au pouvoir, c'est 5 ans, il ne pourra plus postuler pour une seconde mandat. Tout est bien ou bien. Mais nazo senga mne lo moko. Un jour, ceux qui a zongi la partie na ye tribal, ou anandenge ba encourage akai bango ke a zonga comme sou mokonzi. Parce qu'il ne veut pas laisser ce parti, parce qu'il sait bien que s'il laisse le parti à quelqu'un d'autre, la personne va s'apprivoiser le parti, parti yone ko koma yamoutou moussousou. Yamona ya nommé Kabound Azalana comme un faire valoir. Mais, lui Azali koto peut faire valoir. Mais un jour, ceux qui a zongi, parce que ba ko longola yena pouvoir, ou bien mandat na ye sili, qu'est-ce qu'il viendra nous dire? Qui a été sous nos positions pour conduire vers un état de droit. Donc, démolir Bango comme il se doit. Venangai et dit Bolombo, donc démolir Bango comme il se doit. On va le fustiger dès aujourd'hui déjà, ça a déjà commencé comme nous le faisons déjà et on continuera toujours. Donc, démolir Bango comme il se doit. Bango va créer une mangeoire, va commis va allier, il y a pas occupant, va allier, il y a pas assassin, il y a pas criminel, va zalakuna libella et pour toujours. Et les jours que nous on aura cette chance de conquérir le pouvoir, tout éviter. On va les pendre parce que il faut tout ça là haut et les cas en France, awa, la Bastille. La Bastille était une prison. Hein. Les prisonniers, les monarques, qui trop, c'est trop, beaucoup de prison. Révolution française et Banda Kawana. Mais ce qui m'attriste, c'est l'élo. N'importe quoi, biso. Mutu oyo azali ko sala en sorte que peuple a s'abrutir, peuple a croupir na misère. Mais basa ko bete la ima beaucoup. Bazali ko applaudir bango parce que le peuple est toujours ignorant. Peuple azali tellement ignorant. Peuple azali tellement ignorant. Bah éviter que Mbokawana leur appartient. Bah éviter que Mbokawana appartient à tout le monde. Mbokawana mutu moko ta roki koya a dondwaka et puis azo le kawana a nyokoli bino a bomi bino boza ko betela e maboko. C'est triste. Natangi saki maya misu na omona na kingasani soki na kingasani soki na secteur nini wana baza ko betela les génocidaires criminels maboko. O le ki bango tout ça, est-ce que Tshilombo ça lui interpelle même pas? Ke mutu oyo azalaki ayi Moutou Oyo Azala qui vraiment au fond, te poussait jusqu'à son dernier retranchement. Le peuple voulait voir vraiment ce type en prison. Le peuple voulait voir ce type même fuir, même décéder. Le peuple a dit, tu es comme Nasuka. Mais Nasuka, Moutouana, assis à Pola qui élection, tu es bien ou bien que ceux qui sont tout au sali bloc. Tout ce monde, tous ces kabilistes vont fuir la RDC. Ndenge batwa Mobutu na époque na Eba Kimaka. Mais tu l'envoies contourner dans ce malabiso, à qui le non, je vais te protéger. Et Kabila a fait de lui un président marionnette, il a accepté. Quelle tristesse. Et aujourd'hui, si les Blancs, les Européens disent que c'est un escroc, il a escroqué le peuple, tout un peuple. Les entourages de Tshilombo, l'entourage n'a pas le bas. Mais non, c'est pas vrai. Et puis l'autre là, ils vont dire que non, les journalistes doivent s'excuser parce qu'il a outrepassé des limites. Mais qu'est-ce que c'est? Qui ne sait pas que Tshilombo a été nommé par son successeur? Ne nous voilons pas la face quand même. Mais il y a vraiment pour Tshilombo, il y a Christopher Mutamba. Ce qui est triste, nous aurions voulu voir les remplaçants de Floribert Chebeya, c'est lui qui se battait pour la patrie, pour la terre, c'est lui qui est mort, qui s'est sacrifié pour la RDC. Nous aurions voulu voir son remplaçant aussi avoir la niaque, cette force, ce courage de défendre le peuple.
Mais Ndeko Christopher Mutamba, au lieu de défendre la patrie, au lieu de dénoncer le mal, lui, il défend son frère du tribu. Son frère du tribu qui est Félix Tshilombo. D'ailleurs, lui, il a été parmi les premiers qui avaient félicité Tshilombo. On le voit tout de suite. Il n'a jamais dénoncé, hein, d'ailleurs. Hein. L'organisation, la société civile n'avait jamais... Il n'y a eu pas beaucoup de voix qui se sont levées hein, contre ça, hein, contre cette nomination. Hein. Et Christopher Ngoï était aussi parmi ceux qui applaudissaient Tshilombo. Il était là, d'ailleurs, pendant Yabanda, il prêtait serment. Il était là pour valider cela, cette tricherie. Oh, il faut souffrir. Combien de fois Batouba Tamboli Awa pour n'a qu'on été vérité et yebana? Qu'est-ce qu'il va dire un jour aux enfants de Floribert Tshebeya? Félix, quand il passait dans des médias ici, quand on lui posait la question sur Floribert Tshebeya, lui il dénonçait les enquêtes qui étaient bâclées, il ne voulait pas juger les vrais coupables. Mais aujourd'hui, lui, il est au pouvoir. Cette portion de pouvoir, Bapessi Yamoukie, est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on ait une procès équitable pour notre Floribert Tshebeya? Floribert Tshebeya, il est du Kivu, mais il est mort pour les Bakongo. Floribert Tshebeya pouvait aussi dire s'il était tribal, non, ça ce ne sont pas mes frères, pourquoi je vais m'acharner pour la banquette ouana, et surtout que ces gens-là sont des dangereux criminels, ce sont des occupants. Mais Floribert Tshebeya a laissé sa peau, il s'était battu jusqu'au bout. Akei Tinasuka, na banquette na banini, malgré que John Numbi avertissa qu'il arrête ses enquêtes, na kobomayo, sinon te ogomo na sort na yo. Mais il y a Taligwe, lui il se battait pour la vérité. Voilà pourquoi nous sommes haïs, parce que nous on se bat pour la vérité. Nous on ne veut pas la compromission hein, avec les mensonges, avec les vols, avec la tricherie, avec l'escroquerie. On ne veut pas se compromettre. Le problème c'est ça. Bango baso pousser biso, ton dit mal les résultats de la fraude, les résultats d'une magouille. Mais non, on ne peut pas. Les lois ont besoin de pouvoir, yambango mbango. Mais il faut ça en sorte que le peuple a se retrouver et puis il y a un peu de et dit seulement la vérité au peuple. Non. Bango babi, non, ils sont déjà là, ils sont arrivés. C'est triste. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous appeler encore? Et à l'allure où les choses vont, on ne sait pas s'il y aura encore des élections. Est-ce que vous avez déjà entendu Yaedi Bolombo, aussi le Kike Balongo, il y a 250 milliards dans le comme il est prévu dans la Constitution, va garder à côté en réserve pour les élections futures. Jamais. L'année passée déjà, tu as eu qu'à voter. Hein. Mais nous, on a entendu seulement que Tshilombo a dépensé beaucoup de millions pour des voyages. Mais il n'a pas pensé aux échéances futures. Et d'ailleurs, le processus électoral n'a jamais été achevé. Parce qu'ils ont été interrompus. Parce que fraude est tellement flagrant. Allez, bah interrompre Yango. Et bah salibiso, et zalazalandeng et tout ça comme on a. Tout ce qu'il y a dindon de la farce. Ce qui est triste. Mais moi, je voulais dire ceci. Moutouloko, la générale Kasongo, un jour, il faut qu'il soit poursuivi. Parce que pendant cet état d'urgence, entre parenthèses, décrété par le président nommé, hier, général Kassongwa, quand il a été mon ancien. Avant qu'on ait déjà l'air, il y a eu un vol, un pillage. Le général Kassongwa, il était là pendant qu'il était allé arrêter mon ancien. Il n'a pas dénoncé cela. Il n'a pas arrêté des auteurs de vol. Les auteurs, les soldats qui ont pillé, qui ont fait les saccages là-bas, qui ont tiré des balles là-bas contre ces civils qui ne possédaient même pas un pistolet. Général Kassongwa, la deuxième cause à Sali. Deuxième infraction na yenga na moni a memi sou batwana nyonso na parke na yekuna a vandisi bango na mabele. Tout ce monde a vandisi bango pendant période de confinement. Oh ezala ki imposition, il fallait que distanciation sociale ezala ki obligatoire, mais ye a sali na ye yangote. A sala ki yangote, a zui batwana a vandisi bango na mabele, entasse bango et il oubliait que il y a une obligation de distanciation sociale, 1 mètre minimum. Entasse bango. Ce n'était pas un crime c'est là, comme ça. Hein? La troisième cause, dans le monde, est le sous. Oyo Tombenga Kiawa, le journaliste, a commis député. Il est allé là-bas, à Zoko Monandenga, à Antase Batou. Mais il a député, dénoncé. Pourquoi Antase Batou Boye? Il fallait dénoncer, Ndeko Eliezer. Dénoncer, Antase Batou Boye. La loi n'autorise pas que Batou Boye entassé comme ça. Même si ils ont été, ils ont commis des crimes, même si vous les avez arrêtés parce que ça libre faute comme ça. Mais ce sont des humains. Il faut les séparer. Mais si les policiers ont Bazalaki, il y avait beaucoup d'espace. Mais Antase Batou Boye, pourquoi?
Hein? C'est le non-respect des de règles données par la hiérarchie. Bah respecter en haute bantasser bah tout. Et puis il y a ça député, alors qu'il nous moi ça ne m'en sait mais qu'on posait bah question au petit ça qui m'obale il n'a été pourquoi. L'air bande que ça la macambo au bande que mon até au bande PC conseil té mais il est devenu qui lui les messieurs. Aya ki awa bo pesa ngai mbongo to ça la chaîne de télé on a contribué comme on pouvait. Bah maman est belle surtout awa en Europe. Ba mama na biso awa balingaka komona moto awuta ki sasa te sogaza na pasi ba sungiye ba contribuer yipo na ndeko wana awa ba zo pesa yimo ba mbongo mo ba 20 mo ba 30 mo ba 50 mo ba 100 ndeko wana ke ina kin mbongo wana sangisi ya sali campagne lelo akoma député il fait quoi pour le peuple musala ne koma kaje so li fayulu alubi kuna ke non peuple il faut bima ye a bengisi mo ba tuna yo to sala marche de santé maramo bimezate. Boya tout ça marche de santé, boya na pesa no biloko ko lia bo sala boye, mais qu'est-ce que c'est? Vraiment c'est triste quoi. Donc il y a pour na y a mon qui a commis. Mais a bosani que vie est amoulaye. La vie ne se limite pas seulement à un mandat. Une mandature, c'est 5 ans. Et après. Hein? Il faut investir dans la durée. Ah ouais, ce qui nous est là, ils ont tongama, ba tongarango dans la durée, pour il faut perdurer. Dans Boka on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup à faire. Hein? C'est triste que mon abandéco, tout bandage qui coupe ça, bango cutis awa. Ndeko Eliezer aya awa, na poto l'air a commis, ba na poto ba pesier cutis ba impulsé ye. Ya zongi na kin, a juste succès oh ya Lukaki, a commis ko tambo la partout, a commis orgueil les sous ce mati. Mais lelo oyo, a zo biso bazoba. De Eliezer, bazoko yeb ça y est, lelo oyo, a comment na e mutu ya bango kuna? Aza comment aza d'ailleurs journaliste ya UDPS et puis mutu na bango a comment na ye donc c'est triste. Et pourtant les apostulats qui na liste ya ya la muka. Les azuba voix na ye et ya bossa ni peuple. C'est triste. C'est triste. Na mboka na mutu o aza ko lobela peuple lelo tozo mona ezaka mutu moko. Tozo mona ka mukeba ye d'ailleurs mukeba on pe aza ni libanda. Maïke Mukebayi, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait la compromission avec la corruption. Hmm? Jamais. Maïke Mukebayi, il est resté toujours droit dans ses bottes. Malgré qu'il ait mené une vie dure. Mais à lui, non, je suis un combattant, donc il va continuer. Je dois tracer ma route. Et bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Parce que, tout le monde, Maïke Mukebayi, il faut avoir la niaque pour le faire. Maïki Mukebayi, bravo. Bravo. Parce que Moutouana, il n'a jamais été payé depuis qu'il est député national. Mais malgré la souffrance, malgré les douleurs, les difficultés et tout, Azoko continue. Et il doit se battre. Voilà comme ça. Nous, on aime des gens comme ça. Bisoua Babenga, Bisoua, tout ça, trop radicaux. Vous êtes trop radicaux. Boutika, Boya, tout travailler. Non, nous, on ne peut pas aller aider Félix. Il nous a trahis d'une manière incroyable. Moi, j'attends seulement que Félix Akenenakivu a dénoncé l'occupation. T'as là-bas Rwandais de Bazoboma. Bana Beni, ba bouger awa na mois de novembre, février, novembre, octobre, novembre. Ba sali ba manifestation. Ba que même Kobuka ba bureau ya Nations Unies. Ba benga na bango. Mais Kinshasa, rien, personne ne bouge. Ba vandi. Bah beni basali ko souffrir au contraire bah on coule bah colle bah non bino bolingi subi sauté nous faisons l'autodétermination parce que vous vous intéressez plus à nous malgré la souffrance malgré les tueries qu'ils sont en train de subir mais bah bimi bah manifester bah la qui c'était bah mi balé mais na Kinshasa rien pendant ces temps là Kinshasa bah bazo bina bah barizo beta toujours musique toi qui gotique bah tu t'es quand même la RDC c'est un bien commun. Ce n'est pas le bien privé d'une personne comme ça, ou bien il y a Chilombo. Chilombo, aloba ki loro moko bandeko nangai. Aloba ki pendant ma nature nangai, je vais faire des millionnaires congolais. En tout cas, sur ça, il a bien réussi. Hein. Il a bien réussi parce que si nous voyons les enfants de Chilombo avec des liasses de dollars tenir comme ça, se filmer, se faire des selfies, avec un paquet de billets de dollars. Bandeko nangai, aloba, nasom ya likambo, nambo kanon sa te yeba valer ambongote. Ce que Obi Valère, on ne Valère Ambo, il faut que je vende Mboko et utilisera les francs CFA. Et dès que je vais à Ibsarabi Sobouabi, ah, les plus étonnants ici en RDC,
Quand on vous appelle millionnaire, ça veut dire, oui, vous êtes millionnaire en dollars. Et pour lui, c'était très étonnant. Parce que chez eux, au Togo, si on vous appelle millionnaire, vous êtes millionnaire en francs CFA. Et c'était déjà beaucoup. Mais quand il venait en RDC, il voyait que les millionnaires en RDC, c'est des millionnaires en dollars. Et ça lui dépassait beaucoup. Et Mbokanabiso, tout ça, vous comprendre les caractères et valeurs en Mbongo. Te détruire Mbokana Mbongo Yabiso Moko, te rendre en haut inutile, te privilégier Mbongo à papaya. Vraiment, c'est triste. C'est triste, dans ma Kambouro, ils ont les Kalambo Kanabiso. Les Kambouro, ils ont les Kalambo Kanabiso, ils ont passé. Dans les Kambouro, ils ont les Kambouro, ils ont les Kambouro, Mukuna. Mukuna, ce qui a l'ingi, il y a un combat, il appelle ça une valeur, il faut continuer. Hein. Malgré tout ce qu'il a fait, mais il doit continuer son combat. Et surtout, il ne doit pas seulement continuer, mais il doit dénoncer surtout la tricherie et la fraude électorale. Il doit dénoncer ce qui se passe. Il doit dénoncer et mettre aussi Tshilombo dans le banc des accusés. Parce que Mukuna ne peut pas seulement accuser Kabila et soutenir Tshilombo. Parce que ça, c'est rien. Rien faire, quoi. Ils ont soutenir Tshilombo et puis dénoncer Kabila. Mais Kabila et Tshilombo sont des alliés. Et tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait quand tu soutiens l'un. Et tu critiques l'autre, tu n'es rien. C'est comme si l'homme et la femme, ils vivent ensemble, et en couple, ils dorment même dans la même chambre. Tu dis que non, cette femme n'est pas bonne. Ça veut dire que donc l'homme aussi n'est pas bon. C'est pas bien, parce que l'homme et la femme, ils sont couple, ils sont en couple. Donc alors, arrêtez de critiquer l'un et de soutenir l'autre. Ça sert à rien. Mukuna, il faut zonga un vrai chemin. Mais ils doivent vraiment dénoncer ce qu'il faut. Il a dénoncé le quoi la Bissau, la fraude électorale. Et puis, il faut qu'ils disent aussi que Félix, c'est le résultat du vol, le résultat d'une escroquerie. Félix Tshilombo, c'est un escroc. Oui, c'est un vrai escroc. Il a escroqué tout un peuple. Il a escroqué tout un peuple. Nous, on savait peut-être, on croyait peut-être c'est nous-mêmes qui les pensions comme ça, mais nous autres, Bamindé, les pays, ils le savent. Et même les Français, les Blancs, les savent que Félix Tshilombo. C'est un escroc. Il a escroqué tout un peuple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous apprendre encore? Bah escroquer peuple. Il y en a Kabila, bah magouiller, bah trafiquer, bah résultat. Jusqu'à ces jours. Bah bim, c'est la vie, soit un résultat. Bah lobby, la vie, soit non. Élection Yango, Yabima Bouye, bah publication Yango, yo, tel bureau, tel bureau, tel bureau. Il faut pas publier, biso. Résultat, il y a vote, bureau par bureau. Et là, nous, on va approuver, on va dire que oui, désormais, Tshilombo est devenu président parce que les résultats sont là. Mais c'est chose qu'ils ne feront jamais. Ils ne le feront jamais parce qu'ils savent que dès qu'ils vont le faire, tout va se savoir. Ça ne sert à rien. Tshilombo nous a déçus. Et Christopher Ngoï il nous a déçus aussi. Moi, personnellement, je suis vraiment le premier à être déçu. Parce que Christopher Ngoï, lui qui est le successeur de Floribert Chebeya, on voulait voir en lui vraiment un vrai défenseur du peuple, un vrai défenseur de la voix des 100 voix. Pourquoi on appelle la voix des 100 voix? Parce que petit peuple, oh yo bakoki kolobate, batie wana le quoi représentant au porte-voix na bango très haute. Parce que député wana machaka toujours bomba ka vérité. L'être zali koloba, député, il faut ba loba, bazali ba représentant le peuple, mais député na biso toyebike, linga kol ba vérité te so ba koti na mangeoire et bango tout, ba comme na bango ko servir l'occupation. Mbokanabiso a dit problème d'occupation. Tshilombo, c'est l'occupation qui gouverne. Tshilombo, il prend des injections, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, lui impose des choses, les directives à suivre, et lui, il les fait. Et voilà pourquoi il ne peut même pas dénoncer les tueries qui se passent à l'Est. Il ne peut même pas dénoncer les massacres qui se sont passés, les gardes forestiers, nos rangers qui ont été assassinés. Même pas un mot. Même pas un mot de compassion. Non, le gouverneur Sud Kivu, il a sorti l'argent pour aller enterrer. Mais c'est normal, c'est des fonctionnaires de l'État. Ils n'avaient même pas l'argent, ces gens-là. Ils ne sont pas bien payés. Même si Kuna Tourisme, la majorité sont des étrangers qui payent en dollars. Mais ils sont mal payés. C'est normal, beaucoup Ndabango. Et ce sont des fonctionnaires. Et il n'y a rien d'étrange là-bas. Hein? Il n'y a rien de surprenant. C'est comme ça. Babomé 17 personnes. Même pas un mot. Oh! Vraiment, tout ça, la continuité, la suite, le but que notre le moins en pouvoir. Non, vous êtes des jaloux, vous êtes des haineux.
Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On dit qu'on a eu dans ce cas. En bambou, quand même, c'est sa kanda et puis ça en anglais singoté. Il n'y a personne qui peut être vraiment dans la joie pendant que la RDC, tout ça, Romo, dans Marambozo, les Gakuna, c'est triste. Ça m'attriste beaucoup. Tout ce qui est en déco, mon keba est vraiment courage. Vraiment, dès qu'on a mis ça. Les gens qui sont journalistes, c'est Bakangi Kuna. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Dès que Moukebaï continue le combat, tu as vu que ces derniers temps, tu es toujours combattu par des gens mal intentionnés. Bazoling a besoin de ça en prison, mais aux alliés combattants, il y a première heure. Vraiment, merci. Continue le combat. Mais c'était bien fait. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bato maele lokola yo bato génération nanga ya maele lokola yo baza mingi te mais bato lokola bino photo batela bango vraiment na lizayi kaka na ralbol na yaki kaka ko exprimer situation mona zo mona parce que un gars comme Christopher Ngoyi oya remplaça ki Chebea aza ko déshonoré poste na ye azo déshonoré vraiment incroyable. Parce que on a bandé qu'on a vraiment merci mingi tous en confinement na bimi nanga libanda parce que bana nanda kuna okokosa la vidéo té parce que nanda ku j'ai beaucoup des enfants ba kocha makelele donc ça toujours incroyable yango na linga sa vidéo na libanda pour nana sola na bandé qu'on a nanga té na sa la vidéo bana ba déranger yango na bimi toujours libanda na sola na bino muke zale ka pour exprimer ras le bol nanga que se faire ngoy vraiment je suis désolé dans votre comportement, Naïb Sayo qui vraiment tu n'as pas assuré. Ce que nous allons conseiller à Chilombo, aux défenseurs et à Félix, fais-le clairement et au grand jour. Personne n'est interdit. C'est ton frère de tribu. Nous, on ne veut, on dit pas le contraire. C'est ton frère de tribu. Tu peux le défendre comme tu veux. Tu peux être son conseiller. D'ailleurs, là-bas, il a mis beaucoup de Kassayens, surtout que beaucoup de Balouba. On n'a pas vu, on a dénoncé cela, mais. Lui, il n'a pas entendu, il ne nous a pas entendu. Mais le problème est que ce qui osa remplaçant Yachebeya, au lieu de dénoncer le mal, mais toi, tu viens appuyer encore sur ce qui nous fait mal, sur les plaies. C'est triste. Tu défends Félix, mais tu fustiges Kamere, et tu fustiges Niemon Ntsemi, et Félix, il est saint. Le fils de Dieu. C'est triste. On dit qu'on merci. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux.